Hey mes citrons, j'espère que ça va bien et moi je vais bien. Donc, suite à une vidéo dans laquelle je vous expliquais les nouvelles règles de Movistar Planet, les changements des conditions d'utilisation de Movistar Planet, si vous n'avez pas vu cette vidéo, soit vous allez voir dans la description, si je n'ai pas oublié, je mettrai le lien. Ou en fait, en gros, il y a un truc qui vous a énormément fait peur. En fait, c'est le fait que Movistar Planet dise, au niveau de son règlement, rajoute une règle qui dit que ils peuvent supprimer tous les comptes qui n'ont pas été actifs pendant une période de plus de 4 mois. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau des commentaires, ça vous a aussi choqué. Moi-même, au moment où j'ai tourné la vidéo, je me suis dit que 4 mois, c'était vraiment très short, vraiment très, comment dire, très court comme laps de temps, parce que je sais qu'il y a des gens, ils peuvent se lasser du jeu et y revenir 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, voire même 1 an et demi plus tard. Et en fait, je suis tombée sur un message intéressant de Movistar Planet sur Twitter qui est assez rassurant. Après, ça n'empêche pas le fait que vu que c'est pas explicitement écrit dans le règlement, si ils suppriment des autres, enfin n'importe qui n'était plus là pendant 4 mois, ben c'est ils ont le droit en fait. Mais quand même, le tweet est intéressant quand même. Voilà, donc je vous mets le tweet, il est écrit en anglais, vous inquiétez pas, je vais vous le traduire. Alors ils disent reste assuré that will not delete account that have purchased VIP no better who inactive. En gros, soyez rassurés, nous n'allons pas supprimer les comptes qu'ils ont acheté un VIP, peu importe l'inactivité. Donc en gros, si vous avez acheté, je pense qu'ils parlent aussi au passé, qu'ils ont acheté un VIP, donc même si vous n'êtes plus VIP, mais qu'à une période votre compte a été VIP. Que ce soit, je pense, une semaine ou plus, eh bien, même si vous n'êtes plus actif pendant plus de 4 mois, vous n'êtes pas actif pendant 1 an, 2 ans, eh bien, ils ne supprimeront pas votre compte. Voilà. Alors, pour la suite, clean up of inactive users targets only players who have not engaged with the game, only very low level, stats have not logged in for 4 months by. La petite 4 4 months might be removed from the game. En gros, ils sont en train de faire un nettoyage, quoi, des utilisateurs inactifs. Alors, uniquement pour les joueurs qui ne se sont pas engagés dans le jeu ou qu'ils ont un bas level et qui ne se sont pas connectés pendant 4 mois. Donc, en gros, je pense qu'ils visent là les comptes nuls, les comptes qui ont été créés et abandonnés le jour même, les comptes qui ont été créés pour s'envoyer peut-être des habits avec les Star Coins du début du jeu, et qu'après les gens ne se sont plus jamais reconnectés dessus, je crois. Enfin, moi je pense que c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, traduit comme ça, dit comme ça, moi je pense qu'ils parlent des comptes qui ont été créés. Par exemple, moi j'ai créé un compte juste pour une vidéo, le compte je me suis plus jamais connecté dessus. S'ils l'effacent, et ben voilà, ça changera rien à ma vie. Et je pense qu'ils parlent de ce genre de compte là. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui crée des comptes genre juste pour l'utiliser pendant une journée, pour faire un prank à un pote, envoyer des messages chelous à des gens. Ah oui, je vous vois à travers vos écrans, à travers vos téléphones, à se dire ah oui, effectivement, moi aussi à un moment donné, un jour j'ai créé un compte juste pour parler à quelqu'un, pour être anonyme, pour dire des conneries, ce genre de choses. Voilà, hein. Eh bien, écoutez, c'était juste pour vous rassurer, puisque je reçois encore pas mal de commentaires sous la vidéo de personnes qui ont peur un petit peu de cette nouvelle règle. Et eh ben voyez, soyez rassurés, voilà, mais connectez-vous quand même, hein, on sait jamais. Voilà, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me.